Et salut les amis, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et cette fois, je vais vous apprendre comment faire une machine à potions. Alors, la loot, la witch. Alors, en fait, tout d'abord, je vais vous. Comment. Ben, d'abord, il faudra des bouteilles, des fioles d'eau, bien sûr. Et en fait, on va les placer dans. Ici pour que qu'en fait la machine en fait on peut choisir nos ingrédients donc c'est comme le donc il y a que avec ça qu'on peut avoir de l'eau dans les fioles. Oups. Hop. Voilà, il n'y en a plus avec ça, d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fait les fioles. Voilà. Donc, je vais vous présenter comment faire ce système. Après, je vous montre qu'est-ce que ça fait en gros. Après, on va rajouter. Je m'y connais pas trop en potion. Mais on va rajouter de la. Poudre canon et ça aussi, voilà. Donc la poudre canon ça fonctionne pas. Ok, bon, ça fonctionne. Je ne connais pas du tout en potion. Je vous mettrai le lien vers Wiki. Wiki craft pour les potions parce que je me coûte. Bon voilà, j'ai fait des potions de soins et je peux en faire encore plein. Hop. Donc le système est extrêmement simple. Vous allez voir. Oui donc la poudre à canon ça sert à faire les play splash potions, je crois. Bon, je suis pas sûr, mais on va essayer avec une poudre à canon. Non, on va mettre un ingrédient comme ça et un ingrédient comme ça. Voilà, je vais vous mettre un accéléré pour que ça le fasse. Ou peut-être un accéléré. Ouais, voilà, j'avais raison, c'est bien des splash potions que ça fait. Voilà. Bon, voilà. Bon, je vais vous passer. On va passer à comment fabriquer le système qui est extrêmement compact et extrêmement simple. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour la sorcière. Donc, voilà le système. Vous voyez, il est extrêmement simple. En fait, il faut de l'eau ici. Je vous expliquerai après. A tout de suite. Et voilà, bon, alors on va faire le système. Alors pour ça, vous aurez besoin d'un distributeur, du verre, d'une torche de redstone, on utilise plusieurs, des répéteurs, de la redstone, un entonnoir et un seau d'eau. Et après, des blocs. Alors voilà. Alors comment on va faire ça? On va le faire comme ça, ici. Ah, ici, voilà. Voilà, donc faut qu'il y ait 8 de longueur en fait pour les blocs. La 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là c'est bon. Oui, de base je vais un peu plus le centrer en fait. Tac, tac, voilà, là c'est symétrique. Excusez-moi. Pardon. Alors. Eh bien, on va remplir ces blocs avec 6 de large. 6. 4, 5, 6. Oh. Pardon. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez
une plateforme qui sera utile. Donc on va mettre un bloc comme ça. Après on va faire une espèce de truc comme ça. Après en fait vous faites quelque chose de qui ressemblerait à ça. Plus long comme ça. C'est juste la structure du système. Donc je connais pas par cœur parce que ça fait super longtemps que je l'ai fait. Donc j'espère ne pas me tromper. Mais si je me suis trompé, je mettrai un accéléré. Si je me disais aussi, c'était un petit peu bizarre. C'est plutôt comme ça. Voilà, bon, vous faites un système comme ça. C'est pour, en fait, c'est pour séparer les étages du système. Si le système est en deux étages, enfin, ça dépend combien vous mettez de trucs de choix en gros. Après, en fait, attendez, le système, faut que je me. Ok, bon, on va faire comme ça. Hop, vous faites quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que je fais moi? C'est comme ça, je veux dire plutôt. Hop, après, on va mettre comme ça. Et là, on va mettre tous nos droppers. Voilà, après vous allez mettre un bloc comme ça pour que l'eau arrive jusqu'à là-bas et normalement elle dégouline pas. Voilà, comme vous voyez. Donc voilà, le système est à peu près prêt. Là, ce sera où il y aura les boutons et là aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est qu'il n'y aura pas assez de place pour un morceau du système. Donc, je vais l'agrandir là, comme ça. Donc, je crois que ça ressemble à ça, la structure. Hop. Voilà, normalement, elle devrait ressembler à ça. C'est pour que. Oui, ça doit rester ça. Donc vous mettez une torche à chaque endroit comme ça, avec hop et voilà. En gros, quand vous allez appuyer sur le bouton, ça va désactiver la torche, du coup désactiver le répéteur et donc allumer la torche. Voilà ce que ça va faire. Voilà. Hop. Ah, j'ai un double clic là qui m'énerve un peu. Voilà. Ah oui, on va faire un as. Ah, je crois que d'ailleurs j'ai mal fait ce coup. Attends. Ah non, c'est bon. Je me rappelle plus de ici. Alors bon, bref, on va commencer par là. En fait, on va pas s'en faire que creux ici comme ça. Comme ça, on va pouvoir placer le système. Alors du coup, vous faites comme ça. Vous faites une sorte de damier en fait. C'est pour pas que le système se mélange. Voilà, c'est pour pas que le système
donc vous mettez, vous faites la même chose à peu près ici. Hop, voilà. Donc voilà, on a un petit peu, il faut que, juste que je fasse derrière. Donc me voilà. En fait, j'avais raison. C'est bien comme ça. Je vais aller voir l'autre système là-bas pour voir si tout était OK. Voilà. En fait, je crois que ça sert à rien de mettre les torches. D'ailleurs, je vais. En fait, il nous reste plus qu'à mettre l'alambic, voilà. Désolé si je perds mes mots. Alors, voilà, on va mettre l'alambic. Ah, c'est d'accord. D'accord. Et après, vous voyez chaque hopper, enfin, vous voyez les hoppers à seul hopper pour qu'ils mettent les potions ici. Enfin, pas les potions mais les ingrédients, voilà. Voilà, on a fini, on a fini le système. On va, je vais quand même essayer, hein. Hop. Désolé. Ok. Ah si, nous sommes plus de temps de ce côté là. D'accord, alors ben vous mettez les items frame ici, ou les cadres en français, comme ça, oups. Voilà, et vous mettez les ingrédients, donc, je regarde un petit truc, donc d'ailleurs, c'est les potions et les ingrédients. On va essayer une potion de respiration d'ailleurs. D'accord, on va utiliser le poisson globe pour cette potion. Donc on va prendre potion. Hop. Voilà. Donc on va insérer un potion. On va insérer ça ici. Et puis hop, on les met ici. Et bien sûr, ceux du bas, ben, vous les mettez dans ceux-là, de ce côté. Et on va mettre, on va faire quoi d'autre comme potion? On va faire une potion de résistance avec une magma cream, la redstone. Ok. La magma cream, ben, on va la mettre de ce côté. Hein. Ah non, ça c'est pas ça, c'est ici la magma cream. Voilà. Bon, je vais après vous mettez qu'est-ce que vous voulez comme ingrédient. Voilà, bon, ben on va faire une potion avec de la redstone et là. Ah mince, j'ai pas mis des fioles. Voilà, et il y a un petit problème. Rien se passe, on dirait. Attendez, je vais réappuyer. C'est bien eux. On l'a vu, ça l'a tiré. Pourquoi ça vient pas d'ailleurs? D'accord, ça se stack ici. Et d'accord, c'est pas ça, ça alignement. Je sais pas, je crois que c'est ça. Donc, on va juste le faire comme ça. Je crois pas que j'avais ce problème d'ailleurs juste avant. On va les jeter là comme ça.
Ah, mais il faut que je mette une vir... Attendez, je vais voir un truc de potion. Ah non, c'est avec un plus, d'accord. D'accord. En fait, je me suis trompé durant la potion. Voilà. Bon, apparemment, ici, ça bloque. Donc, vous faites un petit contournement. Ça ira. Eh bien, voilà. Sinon, ça fonctionne, le système. D'ailleurs, on n'a pas utilisé la vitre. Et je vais le faire. Oups. La vitre. Partez. Putain. La machine est potion. Voilà. Donc, hop. Voilà. Hop. Et là, on a une potion sans effet. Et si on met du... Je crois pas que ça marche. Ah non, ça c'est le mode macrime. Non, ça marchera pas comme ça. Bref. De toute façon, je vous mets le lien... comment ça s'appelle? Oui, voilà, le lien du site où il y a les potions hein, dans la description, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.